Salut à tous, c'est FunFox et bienvenue sur le sixième épisode de notre petite série sur OmniFactory. Hors épisode, j'ai fait 2-3 trucs. En fait, j'ai réorganisé chez moi parce que je commençais à trouver qu'il n'y avait pas assez de place. Pour ce faire, en fait, j'ai poussé un peu les murs parce qu'ils étaient en... Alors, je vais vous montrer comment c'était parce que je crois que les étages au-dessus, c'était pareil. Voilà, c'était comme ça là, avec les fenêtres qui rentraient vers l'intérieur. Je les ai décalées, en fait. Je les ai repoussées vers d'une case. Comme ça prend un peu moins de place. Ça se voit d'ailleurs parce que mes trucs ici, vous voyez, il y a de la place derrière maintenant. Et j'ai transformé tout un mur en drawer. Comme j'avais créé au dernier épisode un drawer contrôleur que j'ai mis là, je me suis fait un mur complet de drawer. Avec en bas des drawers taille simple et en haut des drawers 2x2, histoire de pouvoir mettre les différents trucs. Alors j'ai pas mis les minerais non cuits, je les ai laissés là. Et tout ce qui est minerais cuits maintenant, voilà. On a le tin, on a l'iron, le gold, le rue. Je l'ai mis en haut parce que c'est des trucs cuits, donc a priori j'en aurais pas 70 000. Des trucs que je sais pas encore, dans genre zinc, antimony et tout, etc. À gauche, j'ai mis aussi, pareil, un redstone. Je vais en avoir beaucoup, donc j'ai mis un drawer 32 stacks. Coal, je vais en avoir un bout aussi. Le bois, j'ai déplacé ceux qui étaient là de pierre, etc. Et j'ai redéplacé ça un petit peu, je l'ai reculé, etc. Donc en fait, j'ai juste pas déplacé les worktables parce que sinon il faudrait recréer les recettes. Et je me suis créé une méga torche. Alors, méga torche, c'est pas très difficile à faire en fait. C'est juste 2 diamants, un peu de gold, mais j'en avais, 3 torches et du bois. Et je me la suis fait parce que ça fait que les monstres spawnent plus. Je crois que c'est à 32 cases. Autour, un truc du genre. Donc je suis tranquille, je vais plus avoir peur la nuit de rentrer chez moi, même si c'est pas illuminé autour, ça spawnera plus. Voilà, je suis tranquille. Si j'ai pas trop avancé d'autres, c'est-à-dire que j'ai laissé ça tel que c'était, avec mon eau, ma water source, j'ai juste mis dans la dynamo les 2 augmentations que j'ai fait la dernière fois. Et j'ai été recherché à nouveau du métal parce que je recommençais déjà à plus avoir assez d'iron. Donc j'ai été recherché d'iron. J'ai cassé mon troisième diamant, marteau de diamant. J'avais mon quatrième. J'ai aussi fait une tuerie violente chez mes vaches. Et j'ai 15 lasers. L'idée c'était de pouvoir faire les quêtes que j'avais mis en attente, le satchel et le glider. Je sais plus si je l'avais montré au dernier épisode, mais je m'étais fait le grappin diamant aussi, qui va beaucoup plus vite, et où on peut avoir plusieurs grappins accrochés en même temps. Quand j'ai eu mes premiers diamants, j'ai fait le grappin en diamant. Pour faire le grappin en diamant, c'est juste 4 diamants avec le grappin que j'avais avant. Glider, satchel, tout ça, j'ai du laser. Alors, satchel. Il faut juste... 3 lasers, 2 tin et un wool. Le wool, je dois l'avoir. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Un wool, 2 tin. J'ai dit 2. Voilà. J'ai un satchel. Je peux le harden après, mais il me faudra l'invar. Déjà, j'ai un satchel. Ça fait pas ding-ding, mais bon, c'est complet. Si, voilà. Ça fait ding-ding. Le truc cool avec le satchel, c'est que ça fait un petit peu plus de stockage, notamment pour pouvoir mettre dedans les trucs que j'utilise pas tous les matins. Genre ça, les réserves de torches supplémentaires, je pourrais mettre le bucket aussi, etc. Faudra que je pense aussi, le questbook, on peut y faire un raccourci clavier, comme ça je l'ai plus dans la barre d'inventaire. Mais bon, l'autre truc que je voulais faire, c'était le glider. Pour ça, il faut le glider wing left, le glider wing right et le scaffolding. C'est bien celui-là, hein ? Ouais, c'est ça. Le scaffolding, c'est des iron rods. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas apprendre à faire des iron rod aussi. Voilà.
Et les gliders, c'était avec deux sticks et six lasers. Les sticks, ils sont où mes sticks? J'en ai là. Hop. Donc, ça, 1. Ça, 1. Ça, 1. Et ça, 1. Ding, ding, ding. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, si je m'amuse à monter là-haut, voilà, je prends le glider. Ça va vachement me simplifier certains transports. Sachant que je prends pas de dégâts de chute si j'arrive à grappiner le sol avant d'atterrir. C'est bon à savoir ça aussi. Hein. Donc ça, c'est bon. Et ça, typiquement, je vais pouvoir me le mettre dans mon satchel. Ok. Quoi d'autre? Je voulais avancer sur 2-3 autres trucs. Typiquement, on peut faire, maintenant que j'ai de l'énergie, on va pouvoir faire 2-3 trucs, on va pouvoir faire des jetpacks. Comme ça, on va pouvoir recharger mes jetpacks à l'énergie et ce sera cool. La deuxième chose, c'est de faire des wrench. Le Crescent Hammer, c'est pour tout ce qui est de thermodynamique. Le Yeta, c'est pour tout ce qui est Ender IO. Et le wrench, comme ça, c'est pour Greg Tech. Ça va être une nécessité. Alors, Crescent Hammer, c'est facile, c'est 3 iron et un tin. Yeta Wrench, c'est 3 iron et un iron gear. Oula, ça va faire un peu plus d'iron déjà. Où est-ce que je lui avais appris les gears? Là. Ah, il me faut des plaques d'iron. 1, 2, 3, 4. Il va me falloir. C'est un screwdriver. Et des. Tiges. Sont où les tiges? C'est où les tiges? Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Là. Tige. 1, 2, 3, 4. Et en fait, je vais pas lui apprendre à le faire là parce qu'en fait, il vaudrait mieux que je lui fasse faire les gires à côté. Ça et ça. Et ça. Ok. Donc là, j'ai une iron gear. Et on a dit 3 iron. Hein. Bah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Donc j'ai la Yeta. Et la troisième, c'est la branch de chez Greg Tech. Je prends juste du. Je prends du Vrou Iron. C'est 6 Vrou Iron et un marteau. Prête-moi ton marteau, toi. Voilà. Je suppose qu'il doit avoir une certaine durabilité. Ah, mais j'en avais déjà fait un. Oh, je suis trop con. Je l'avais déjà fait. Bon, bah, je vais le garder. Hop, tiens, tu pourras le réutiliser plus tard. Et ces trois-là, ils vont là-dedans. Faudra que j'améliore ces satchels. Ok. L'étape d'après, ça va être d'essayer de stocker l'énergie. Parce que là, j'ai de l'énergie. Ma Steam Dynamo, elle a de l'énergie. Maintenant, le Steam Dynamo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine qui est un peu con. C'est-à-dire que si. Là, je lui ai donné un petit peu de bois la dernière fois, ça fait 3000 d'énergie. Mais si je lui mets un stack de bois, il va monter jusque-là, puis il va continuer à bouffer mon bois alors qu'il ne génère pas d'énergie. Donc, toute l'idée, c'est de faire du stockage d'énergie. Et pour ça, on va faire ce truc-là. Il faut faire un primitive circuit, c'est je l'ai fait la dernière fois. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, mais je l'ai fait la dernière fois. J'avais créé des primitives circuits. Je les ai utilisés ? Ou je les ai rangés ?
Faut savoir aussi que je suis allé me promener hors épisode et en fait j'ai trouvé des trucs dans une maison où il y avait un coffre avec des spawners. Donc j'ai cassé des spawners. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'en ai? Ah, parce que les autres sont là. J'ai cassé des spawners et j'ai récupéré ce qui était dans les coffres. Et dans les coffres, il y avait le truc de Enderio pour upgrader une machine. Il y avait une conduite probe. Il y avait un disque de musique. Ça, je vais le garder pour l'instant. Donc, il me disait le ceph. Le ceph, ça permet de convertir l'énergie RF en EU. C'est 4 conductive iron, 2 4 fois conductive iron comme ça, qui se font comme ça, et qui se font ensemble en fait. Alors, le conductive iron, j'en ai. Je viens de le prendre, il est là. Deux. Si je fais ça fait un 4 fois. Ça fait un deuxième 4 fois, donc ça c'est bon. Ceph. Ceph LV. Et alors il y a en 4 slots ou en 16 slots. Mais le 16 slots, je ne peux pas le gérer pour l'instant. On va faire le 4 slots. Le 16 slots. Ça prend juste du 16 conductive iron wire, ça prend beaucoup plus d'énergie de métal et en fait ça va permettre de pouvoir gérer plus d'énergie, mais il faut y mettre des câbles plus gros à la sortie. J'ai pas envie pour l'instant, je vais faire ça avec du tout simple. Donc j'ai deux comme ça. Il me faut 4 conductive iron énergie, j'en ai que deux. Donc c'est. Je les ai mis où? Conduit binder, hop, hop. J'en ai 4. Le primitive, un coffre et un machine hull. Le machine hull, c'est 3 raw iron, 2 tin cable. Tin cable et rubber sheet. Alors, les rubber sheet, j'ai plein. Vais faire. On a dit combien qu'il en faut? 2. 2 rubber sheet avec des tin. Qu'on met en plaque, qu'on met en câble. On fait les deux, hein. Ouais, deux tins. Donc c'était quatre tins en fait. Parce que c'était deux plaques. Pour faire deux wire. C'était bien des wire? Merde. Ouais, c'est ça. Nana, tin wire, rubber sheet, ça me fait des tin cable. Les tin cable, il me faut 3 raw iron plate, donc 6 raw iron, 4, 5, 6 en plaque. 1, 2, 3. Ok. Et le dernier truc, c'est la LV Machine Casing, qui est une wrench avec 8. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Autour de une wrench, hein, on a dit. Combien j'en avais une d'avance? Je l'ai mis où? Ok. LV machine casing. Et donc LV machine hull. Et donc il manque juste le coffre, ça devrait aller. J'en ai plus d'avance. Ok. On voit déjà que il y a un certain nombre de crafts à la suite à faire pour pouvoir atteindre ce truc-là. Hein. Une certaine violence. Et il me faut 4 conductive iron cable. Enfin des. Il me faut 4 fois. Il me faut 4. 4 fois. Les 4 fois, c'est 2 deux fois. Qui sont chacun 2 une fois. Qui
sont chacun du conductive iron wire avec du rubber sheet. Heureusement, j'en avais d'avance, mais j'en ai quasi plus là. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, je peux me faire encore des conductive iron plate. On va en faire un certain nombre. On va faire des wires avec. Ok. On a dit, c'est pas ça. On a dit que je dois les mettre avec du. Quatre fois conductive. Iron cable. C'est du deux fois, c'est du une fois. C'est juste ça avec du rubber sheet. Donc il faut plein de rubber sheet. Mon chat est en train de faire son quart d'heure de folie, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il m'en faut 16 si je sais calculer. C'est ça. Voilà, donc là j'en ai 4. Tic. Donc, a priori, là, si je mets un CEF devant, il va falloir que je le retourne, je pense. Ah, puis il faut que je mette une batterie dedans. J'en étais fait 4 des small batteries. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'ai pas pris la bonne branch, c'est celle-là. Comment ça marche? Parce que là, il a bien ça. Lui, il extracte. Lui, il inserte. Ah, on est d'accord. Donc normalement, lui devrait extraire vers ça. Et ça. Ça, pour le coup, je crois qu'il va falloir que j'aille regarder. Alors. Je veux un CEF. C'est bien un CEF que j'ai fait? C'est bien un CEF. Je veux un CEF. Ce CEF convert le RF en EU. N'accrochez jamais un câble d'un thickness qui est plus petit que la taille de ton CEF. Donc s'il faut, il faut un 4 fois câble pour les CEF de 4 slots et un 16 câble pour les CEF de 16 slots. Sinon, ils vont fondre. Bon, je claim. Donc j'ai toutes les trucs pour mettre les machines. Ma Steam Dynamo nécessite du Q-Call et de l'eau. Ça va faire de l'ARF pendant du côté Excitation Coil, ça oui. Le Steam Dynamo peut être fait, machin. Ensuite, l'énergie conduite peut être transférée de l'ARF Power directement dans le CEF si j'ai envie, en mettant directement. Le CEF va ensuite transformer les Power en EU. Et ça sort vers le red dot. Zen attaché les conductive iron cable. Wire mill et compressor. Ok. Donc là, en fait, dans les faits, là, normalement, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais laisser en fait ici, je pourrais coller ça là, enfin à la place du câble. Je vais laisser ça comme ça, si un jour j'ai des machines en RF à sortir, je pourrais toujours les sortir par le côté avec le conductive comme ça. Je vais remettre mon wrench
Voilà, je veux le red dot ici et je vais faire ça. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si j'ai des machines à mettre, je peux les mettre ici et normalement, ils reçoivent. Je sais pas à quoi ça sert les trucs là. Ah, mais je les ai pas remplis en sodium. C'est pour ça que ça marche pas. Je croyais l'avoir fait ça. Il est où mon sodium? Il est là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Tac. Donc là, non, là, j'ai quatre batteries. Ok. J'ai quatre sodium batteries qui peuvent stocker plein de U chacun. Et ça, c'est une autre chose aussi que j'avais appris, c'est que la Steam Dynamo, elle est très con dans ses méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu lui files, enfin, si elle est éteinte, même si elle a de l'énergie, elle donne pas l'énergie à ses copains. Il faut qu'elle soit en train de fonctionner pour donner l'énergie à ses copains. Donc là, si je lui donne ça, elle output, vous voyez? Et là, maintenant, ici, ça se remplit en RF et donc en EU. Là, ça tourne tranquillement avec de l'eau et du charcoal. Vu la capacité assez violente en EU de stockage, on va faire tourner. J'ai plein de charcoal, on va laisser tourner. Comme ça, j'en aurai pour plus tard si j'ai besoin. Il me conseillait donc de faire deux trucs. Le wire mill et le compresseur. Wire mill, il est là. Donc il est demandé. Mais pour ça, il faut faire des motors. Donc, on va aller regarder, mais a priori, le wire mill, il va avoir besoin de moteur. Basic wire mill, il a besoin de 4 moteurs, 2 circuits, un LV machine nul. Oh putain. Et c'est là où on se dit, ouais, d'accord, je comprends pourquoi est-ce qu'il disait stock les méthodes. Hein. Oh vache, la quantité de trucs que je vais avoir à faire. Donc, les moteurs, électrique moteur. Pensez bien à encoder ça dans un worktable, on en fera beaucoup. Electric motor. Ça se fait avec des iron rods, des copper wire, des tin cable et un magnétique qui est du iron rod et de la redstone. Et en revanche, je vais manquer de tin. Je pense que je vais en avoir assez pour un moteur. Mais sauf qu'il faut que j'en fasse deux. Le problème, c'est que le tin, ça manque. Alors, est-ce que j'en ai ici? Je crois que je l'avais même pas. Ah, si, il est là. Alors, on va faire un truc. Tin. Ok. Détecte-moi du tin. Parce que c'est assez limité, vous voyez, la quantité de tin que je trouve. Là, il y a du tin. Je suis en plein dedans. Je m'accroche, comme ça, s'il y a de la lave en dessous, je n'aurai pas de problème. Ou si je tombe sur un tunnel en dessous. Donc là, je suis sur une manne complète. Alors, le tin, est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il est plus bas? Il est un peu partout ici. Et ben, on va creuser. Hop, ici on va noter tin. Comme ça je saurai où ressortir quand j'aurai bien tout creusé.
problème, c'est qu'il y avait souvent énormément d'autres trucs en plus du Kimi. Comme je vous montre assez rarement les phases de minage, c'était juste pour que vous voyez aussi la vitesse à laquelle ça va. Donc là, j'ai déjà récupéré 25 tin or. J'ai récupéré tout un tas d'autres bordels. Le problème, c'est qu'effectivement, le tin est enfin, vraiment mélangé à d'autres trucs, quoi. Un gros tas là. Ça, c'est utile. C'est assez bizarre parce qu'il me montre des trucs qui n'en sont pas, comme si c'en était. Oh, team A, avec range. Là, il me le montre plus, vous voyez, alors que pour le coup, bah, ça n'en était pas tant que ça. Sauf s'il considère que le pot du main, c'est du team. Ah non, c'est celui qui est à côté. Le spot du main, c'est quoi d'ailleurs? Ça donne quoi quand on le cuit? La spodumène dust, d'accord, super. Tin. Tin. Là, et là, et là. Et là. Bon, je vais en avoir assez pour l'instant. Quand même, il me faudrait des bottes en slime hein, à un moment. Eh mais d'ailleurs je dois pouvoir les faire. Est-ce qu'on peut faire des slime boots? On peut faire des slime boots? Les night slime boots. On peut faire que les night slime boots. Ah, flûte. Qu'est-ce que je peux faire avec les slime balls? Je peux crafter une ender pearl. Cool. Je peux faire du packing tape, de l'aquacho, downgrade, slime data model et vector plate. Ok. Dommage. Ok. Donc vous voyez là la facilité à laquelle on peut trouver du minerai quand il nous en manque un en particulier. J'ai donc du tin. On range le reste. On fait cuire le tin. J'avais un truc pour ça. Hop. J'ai assez de tin. Alors, il me faut... J'étais sur quoi déjà? J'étais sur les moteurs. Moteur électrique, deux iron. Alors il va me falloir deux moteurs hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc il me faut quatre iron rods. J'ai encore d'iron sur moi? Non, il faut que j'en prenne. 1, 2, 3, 4. Rods. C'est où les rods? Deux, trois, quatre. Plus.
Il me faut. C'est encore deux iron rods, mais avec de la redstone. Ok. Redstone et iron rod. On va le prendre ici parce que je sais pas où le mettre. Hop, là. Tu m'en fais deux. Ok. Huit copper wire et quatre tin cable. Alors, les tin cable, c'est maintenant plus un problème. Sauf que c'est pas là du tout. Voilà, sauf que ça devrait être là. Ah non, c'est les cables, pardon. 8 plaques. Je vais commencer à manquer un petit peu de. Ils vont pas tarder à péter mes trucs. Tin wire. 4. Tin wire. Est-ce qu'ils doivent être. Ouais, ils doivent être avec du rubber sheet. Les rubber, j'en avais encore ou pas? Oui, il y en a encore. 1, 2, 3. 4. Tin cable, magnetic rod, iron rod. Il manque quoi là? C'est pas celui-là. Il faut le lever, voilà. Il me manque les copper cable, les copper wire. Alors, copper wire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Moteur. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi est-ce que tu me fais pas un deuxième? Tu fais un deuxième. Ok. Et voilà. Donc là, j'ai les moteurs. Pour le wire mill, il me faut quoi? 4 moteurs. J'en ai que 2. Bien entendu, il m'en a fait faire que 2. Il m'en fallait 4. 2 circuits que j'ai déjà fait. Machine Hull que j'ai déjà fait. Donc je vais crafter tout ça hors épisode. Mais je ferai le wire mill avec vous. Je vais crafter tout ce qui est nécessaire hors épisode pour les différents trucs. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer ensemble. En espérant que l'épisode vous ait plu. Si vous a plu, dites-le moi. Si vous a pas plu, dites-le moi. Et puis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.